Il y a beaucoup de défis, en fait, pour travailler dans les médias interactifs. Dans juste les 10 dernières années, on a vu des choses comme le mobile prendre une place énorme dans nos vies. On a vu plus récemment la réalité virtuelle, la réalité augmentée. D'intelligence artificielle, de bots, de chatbots. Mais même encore aujourd'hui, j'ai appris certains outils ici à l'UNIS, mais en arrivant sur le marché du travail, j'en avais d'autres à apprendre qui étaient complémentaires à eux ou bien qui les remplaçaient. Puis à chaque année, il s'ajoute aussi des nouvelles plateformes. Donc, il faut constamment être à l'affût de ça, mais n'empêche que la base, elle est toujours là. Il faut tout le temps que tu réfléchisses à ton auditoire, comment le rejoindre, c'est quoi ton propos, qu'est-ce que tu racontes. Puis après, pour moi, créativité, storytelling est plus important que les technologies. Après, la technologie vient au service de l'histoire que tu as à raconter. Puis tout se base sur ces histoires-là. Puis je pense que c'est ça la force de l'UNIS, c'est de raconter ces histoires-là, que ça soit en cinéma, en écriture, en médias interactifs, avec du AR, avec l'intelligence artificielle. Tu peux reconnaître un diplômé de l'UNIS à distance, juste la façon qu'il parle quand il explique un projet. C'est tout le temps l'histoire qui est au centre, qui est au centre du format, qui est au centre de la proposition de l'œuvre.